ごめんね、父さん。ご飯食べてもいい？働きは悪いくせに食い地だけは一人前だな。しかしこの役立たずのガキにそんな大金をね、一体どんな魂胆だ。君には関係あるまい。さっさと荷物をまとめろ。てめえはもうこの家の人間じゃねえ。ここは安全な場所だ。何も心配することはねえ。謝るよ、渦巻きナルト。てめえが次元か。会いたかったぜ。父ちゃん！今！嘘だろ。決まってんだろ。探しに行くんだよ。当てはあんのか？なくても探すんだよ！うるせえ！お前ら七代目を見捨てるつもりか！だと？あんたに従ってやるよ。さっさと俺を連れてけ。ただし約束しろ、七代目にはこれ以上手出すんじゃねえぞ。なあ、こいつが一番強くなるのはいつだかわかるか？それは仲間のために戦う時だ。サスケ、このダメージはまずい。ウチハサスケ、今さら何をしても無駄だが、お前は別だ。ここで死んでもらうぞ。Il m'en aura fallu du temps pour revenir sur l'anime Boruto. La dernière review sur le sujet était le 19 avril 2020, soit il y a plus d'un an. Depuis cette dernière année, l'anime Boruto a proposé plusieurs grands épisodes qui ont fait en sorte que je me réconcilie avec la licence. Et je ne pensais pas le redire un jour, mais merci au studio Pierrot. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de l'épisode numéro 206 de Boruto, qui couvre les chapitres numéro 39, 40 et 41. Mais avant cela, on va revenir encore une fois ensemble sur le personnage de Boro. L'anime a encore une fois fait un travail extraordinaire, puisque dans le manga, nous ne savons presque rien de ce personnage. Nous ne connaissons ni son histoire, ni son objectif avec l'organisation Kara. Mais là où les studios Pierrot ont réalisé une nouvelle fois un travail extraordinaire, c'est dans le développement des antagonistes. Tout comme Dipa et Victor avant leur mort, le troisième membre de Kara aura lui aussi le droit à son histoire et à son développement. Boro est un homme d'une cinquantaine d'années qui a réussi avec des années à se faire passer pour un véritable dieu. A l'aide de l'outil ninja que lui a incorporé Amado, il possède désormais la capacité d'utiliser un virus et donc de rendre malade autrui, que ce soit une maladie secondaire ou une maladie mortelle. Pendant plusieurs années, il attaquera alors plusieurs villages et pays avec son virus, puis y apparaîtra en tant que sauveur afin de soigner tous les citoyens. Ces derniers verront alors Boro comme un véritable dieu, sauvant leur nation d'une fin inévitable. Pour un grand nombre de fans, Boro sera rapidement comparé à Père Cornello dans Fullmetal Alchemist. A l'aide des citoyens, le voyant comme un véritable dieu, il établira rapidement son propre culte pour suivre ses opinions fanatiques. Il promettra alors à sa secte un monde de bonheur et de salut, et ce à travers son objectif personnel, le Tsukuyomi infini. Boro est reconnu lui-même comme étant un fanatique vénérant les Otsutsuki, et son objectif personnel est dans le but de les servir. Et c'est donc en cela que le développement de la secte est une idée extrêmement positive, et le fait de la mettre en avant maintenant, croyez-moi, ça servira très bien le scénario futur. Grâce à cette scénarisation que proposent les studios Pierrot, j'ai appris à aimer Boro, qui possède réellement deux visages, celle d'un chef de secte vêtu de blanc, et celle de sbire pour Kara, vêtu de noir. Et le parallèle est assez cool, les cultes de sa secte le voient comme un dieu vivant, mais lui-même vénère les Otsutsuki. Donc d'une manière plus ou moins métaphorique, l'homme vénéré vénère déjà un dieu. C'est donc à la fin de l'épisode numéro 205 que Kawaki s'engouffrait avec la Team 7 dans la dimension afin de pouvoir sauver Naruto Uzumaki. Mais malheureusement, pour la suite des épisodes qui sont apparus, il y avait beaucoup de positifs et beaucoup de négatifs. À l'époque des scans, quand j'ai vu la nouvelle Team 7 prendre place, je me souviens avoir critiqué les choix du scénariste. Durant la mission de récupération de Naruto Uzumaki, Sarada devient chef d'équipe et prend donc la place de Konohamaru Sarutobi. J'étais donc à l'époque énervé du fait de voir le sensei de la Team 7 absent lors d'une opération si importante,
surtout connaissant le background du personnage. Konohamaru voulant devenir Hokage, il était à mes yeux la personne devant sauver Naruto Uzumaki, comme une sorte de relève sauvant un précurseur. À l'époque des chapitres 39 à 43, je me posais donc la question, mais où était-il? Pourquoi n'était-il pas présent avec son équipe et ses élèves? Que faisait Konohamaru Sarutobi pendant que Konoha était en alerte face à Delta, ou bien, après, face à Jigen? Pour répondre à cela et pour attraper la critique des lecteurs, les studios Pierrot ont créé le combat Konohamaru vs Jigen, afin de bloquer temporairement le personnage et donc de le rendre indisponible pour le sauvetage du 7ème Hokage. L'idée est vraiment très intéressante, mais mal exécutée à mes yeux. En effet, le combat Konohamaru vs Jigen donne une raison à son absence. Mais par contre, son nouveau combat lui offre également une nouvelle défaite. Et là-dessus, Konohamaru n'en est plus à sa première. Une défaite face à Victor où il est sauvé par Orochimaru, puis une défaite face à Ao, ensuite il est sauvé par Boruto alors qu'il a failli mourir face à Kenshin Koji, et maintenant il perd contre Jigen. 4 combats et 4 défaites en 30 épisodes même pas. Le palmarès du futur Hokage est vraiment pas joli. Pour résumer, oui, les studios Pierrot ont raison de rajouter des éléments à la scénarisation, mais ces nouveautés marchent également à double tranchant. Oui, on explique la raison de son absence, mais on lui rajoute également une énième défaite. Mais ce n'est pas là toute la différence entre le manga et l'anime, et nous allons en parler ensemble. Avant de continuer un peu plus loin la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et commenter la vidéo, ou encore tout simplement de vous abonner à ma chaîne Demon Slayer et ma chaîne Dragon Ball pour avoir un max de contenu venant de ma personne. C'est pas un contenu non plus très dégueulasse. Maintenant que mon auto-promo est passé, on peut continuer. Une fois dans la mystérieuse dimension et face aux premières attaques de Boro et de son Yoton, c'est Sarada Uchiha qui donne l'alerte à l'aide de son Sharingan. Mais en réalité, et dans le manga, l'alerte venait de Mitsuki. Cette stratégie et vision du manga était bien plus intéressante à mes yeux. Alors que Kawaki et Boruto sont les deux épées de l'équipe numéro 7, Mitsuki lui représente le bouclier, servant à détecter et prévenir les attaques ennemies, puis surtout aider en cas de repli. Sarada, quant à elle, représente l'analyse et le commandement de l'unité entière. Même si la nouvelle équipe numéro 7 est commandée par une jeune femme de 12-13 ans, elle semble tout de même bien plus équilibrée que l'ancienne, possédant deux shinobi offensifs, un défensif et une stratège. Mais malheureusement, dans l'anime, la jeune femme servira également de bouclier, rendant Mitsuki quelque peu inutile et ennuyant sur l'épisode, et c'est vraiment dommage. D'ailleurs, en parlant de la jeune Kunoichi, dans le manga, elle développe son troisième Tomoe en s'entraînant avec son père, pendant une ellipse qu'on n'a pas vue. Cependant, dans la série animée, la jeune femme s'engouffre dans la dimension avec un Sharingan à deux Tomoe. Il est donc très fortement probable qu'elle déverrouille un power-up face à Boro, et ce, dans l'épisode 207 qui sortira ce fameux dimanche. Il y a quelques années, Ikemoto, le dessinateur de la série, expliquait qu'il était extrêmement important de suivre l'anime et le manga Boruto, car les deux parties se compléteraient. Mais surtout et avant tout le plus important, que le manga et l'anime se retrouveraient comme étant symétriques. Le terme de symétrie sera également très important car en effet, chaque plan du manga seront alors repris, mais ils seront inversés afin de former une véritable symétrie entre les deux parties. Ikemoto a fait de l'œuvre Boruto une œuvre symétrique. Le manga et l'anime ensemble représentent un manga qui pourrait se refermer pour se compléter. Il y a quelques minutes, j'expliquais que Sarada volait maladroitement le développement de Mitsuki, mais sur la fin de l'épisode, le fils d'Orochimaru volera lui aussi une scène extrêmement importante pour Sarada. Dans le manga, Mitsuki explique à son commandant que l'un de ses serpents a réussi à obtenir un échantillon de la technique mystérieuse de Boro. Il explique à ce moment précis que lorsque son serpent ouvrira sa gueule, il relâchera la brume noire et que Sarada aura par ce biais seulement quelques secondes pour l'examiner avec son Sharingan et trouver l'origine de la brume. Ainsi, en poussant les capacités de son Sharingan à son paroxysme, la jeune Uchiha explique à l'équipe numéro 7 que Boro utilise un virus pour combattre. C'est donc après l'analyse de Sarada Uchiha que Mitsuki fait d'elle le commandant suprême de l'équipe numéro 7 afin de les mener vers la victoire. Mais dans l'anime et l'épisode numéro 206, Mitsuki ne laisse pas du tout la parole à Sarada et explique au cours d'un monologue que Boro utilise un virus.
Sarada, quant à elle, valide juste les dires du fils d'Orochimaru. Ce qui enlève à Sarada et au légendaire Sharingan une sorte de crédibilité à mes yeux. Pour continuer dans les différences entre le manga et l'anime, oui, à mes yeux, Sarada est bien moins impressionnante dans l'anime. Dans le format papier, la jeune Kunoichi arrache le sommet d'une falaise pour la lancer sur son ennemi. Elle porte alors une pierre de plusieurs centaines de kilos, saute avec et la balance de toutes ses forces. Cette page à l'époque avait mis des frissons à un grand nombre de fans car elle rappelait à elle seule, indirectement, l'attaque de Sakura sur Shin Uchiha. Mais dans l'anime, la jeune femme trouve une belle roche bien ronde au sommet d'une falaise et la pousse avec sa main. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que, bah ouais, c'est bien moins stylé. Pour finir, lors du Rasengan Unison de Boruto et Kawaki, les studios Pierrot viendront par censurer la scène avec de la poussière dissimulant par ce même biais le corps de Boro froidement arraché par l'attaque. A mes yeux, cette fameuse censure ne réserve rien de bon pour l'avenir de la série Boruto, car la suite du combat est logiquement extrêmement sanglant. Il y aura à l'avenir également beaucoup de combats avec des scènes choquantes, que ce soit des yeux coupés ou arrachés, des bras cassés et tordus en plein combat, des têtes qui vont tomber, des haches qui se planteront dans des crânes, ou encore des décapitations avec de simples coups de pied. Donc je ne sais pas comment va gérer les studios Pierrot au niveau de la censure, mais ouais, je vous le cache pas, ça me fait un peu peur. Hormis tous ces changements avec le manga, l'épisode reste grandement appréciable, et promet une nouvelle fois un avenir radieux pour l'anime Boruto. Donc, pour rappel et pour finir, l'anime Boruto Naruto Next Generations est disponible sur ADN, donc foncez-y, c'est pour l'instant 206 épisodes très bons et de très bonne qualité, donc pour un simple anime fleuve, franchement, il vaut largement le coup. Quant à vous et moi, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, je vous dis alors à très vite. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner à la chaîne, me donner votre avis sur l'épisode numéro 206 de Boruto, et bien sûr, encore une fois, je le répète, vous abonner à la chaîne Hashira et la chaîne Darkos Corp pour avoir des informations et des vidéos sur Demon Slayer ou Dragon Ball, ou encore très très bientôt, des informations et nouveautés sur mon fan manga Dragon Ball Kakumai. Je vous dis à très vite, et datebasso.